Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer de la loubia. Alors moi, j'ai choisi les haricots blancs coco. Donc c'est des haricots blancs qui sont frais, que je viens de nettoyer. Ou sinon, vous pouvez prendre des haricots blancs secs. Alors à ce moment-là, il faudra les tremper la veille pour les avoir prêts pour le lendemain. Alors pour cette recette, il nous faudra donc 500 g d'haricots blancs coco. Il nous faudra 500 g de viande de bœuf. Là, j'ai une cuillère à soupe de persil haché, une cuillère à soupe de céleri haché et une cuillère à soupe de coriandre haché, un oignon émincé, à peu près 400 g de tomates concassées, ensuite de l'huile d'olive, à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et ensuite il nous faudra une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de piment doux, ensuite il nous faudra une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de cumin. Et 3 gousses d'ail hachées. Alors je prends une cocotte ou une marmite si vous avez. Ensuite j'y dépose les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, alors si vous aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou n'importe quelle huile que vous voulez. Bon, moi c'est parce que j'aime beaucoup l'huile d'olive. Ensuite on rajoute l'oignon. Je rajoute les 3 gousses d'ail hachées. Je rajoute les morceaux de bœuf que je vais faire revenir dans les oignons. Ensuite, je rajoute la cuillère de céleri, la cuillère de persil haché. Et la cuillère de coriandre, donc des cuillères à soupe. Je rajoute la cuillère à soupe de sel. Et la cuillère à soupe de cumin. Je rajoute le poivre, la cuillère à café de poivre. La cuillère à café de gingembre. La cuillère à café de piment doux. Et la cuillère à café de curcuma. Ensuite, je mélange. Je vais venir déposer les tomates concassées, à peu près 400 g de tomates concassées. Ce n'est pas des tomates fraîches, c'est des tomates que j'utilise en boîte. On va laisser un peu revenir à peu près pendant 5 minutes avant de mettre l'eau. Donc 5 minutes après, je vais venir ajouter l'eau, de préférence de l'eau chaude. Et je vais laisser cuire cette viande dans la sauce pendant 30 minutes. Alors, pour les personnes qui ne mettent pas des haricots blancs coco, c'est-à-dire ceux-là, ce sont des haricots blancs frais et qui préfèrent mettre les secs, à ce moment-là, vous déposez directement les haricots avec la viande. Moi, vu qu'ils sont déjà frais, je vais laisser la viande cuire pendant une demi-heure et ensuite je rajouterai une demi-heure de cuisson de plus pour les haricots. Là, je laisse bouillir. Une fois que je vois que ça commence à bouillir, je ferme et je baisse au maximum. Donc là, ça a commencé à bouillir. Je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire pendant une demi-heure à petit feu. Une demi-heure après que j'ai laissé cuire la viande, je vais y rajouter les haricots. Et je vais fermer. Et je vais laisser cuire à nouveau pendant 30 minutes. Alors ça variera entre 30 et 40 minutes. Le mieux, c'est de laisser cuire doucement pendant 30 minutes et ensuite de vérifier si c'est cuit ou pas. Si c'est pas cuit, à ce moment-là, rajouter jusqu'à 40 minutes. Donc 30 minutes après, je vais vérifier la loubia. Donc elle est fondante, on voit qu'elle est cuite. On vérifie aussi le sel pour voir s'il faut en rajouter. Donc pour moi, c'est bon. Je vais y rajouter une demi-cuillère à café de cumin sur le dessus et un filet d'huile d'olive. Ça va dégager tout son arôme.
Là, la loubia est prête. Il ne reste plus qu'à la déguster.